Bon, c'est le premier. Andreas, t'es chaud ou quoi? Je suis vraiment chaud. Bon, t'as 2 minutes pour prendre ce que tu veux pour être le maximum floppé dans tout le magasin Adidas. T'es prêt? 2 minutes. Et c'est bon. Vas-y, on y va à la cool, hein. on va pas trop réfléchir. Ok les gars, je crois que j'ai des goûts de luxe parce que là on est dans la gamme Yamoto, enfin Y3 de Adidas, c'est la gamme la plus chère. Et puis je me dis, bon, comme on n'a pas de limite d'argent, on va essayer de changer de style, hein. Mais complètement, regardez ça, j'ai jamais mis ça un truc comme ça de ma vie. Ouais, c'est dans le black. J'aurais bien essayé le poncho, mais. Batman, c'est chaud quand même. On va pas réfléchir. Hein. Voilà, pas de tenue. Bon. Le premier s'est habillé, il a utilisé une marge de 6 652 €. C'est pas mal. Je peux vous dire que c'est assez black and black. C'est pas mal. Je peux vous dire que... Allez Andreas, montre-nous tout ça. Tu nous expliques ta tenue s'il te plaît. Tu connais la pose ou pas? La pose évidemment. Alors une chaussure à 658 €. Des poils à 48 €. Ah, j'ai pas eu le temps de me raser frère. Un pantalon, pas long, un pantalon. Ouais, elle coûte combien? Je sais pas, juste le t-shirt. Juste le t-shirt qui coûte 249,95 €. D'accord, tu les rends s'il te plaît, on n'a pas assez sur nous. Allez! Bah, franchement, moi j'aime pas du tout, hein. Déjà, c'est pas très gentil. En plus, on dirait vraiment une clochard. Non, franchement, j'aime pas. Je sais pas comment tu fais. Donc, par rapport à la tenue d'Andreas, je trouve ça un peu futuristique, un peu innovateur. Je trouve qu'il a apporté sa petite touche avec sa pose comme ça. Et moi, je donne un 7. Je donne un 7 parce que on peut dire que on sent sa créativité dans cette tenue. Peace. Moi, je donne un 10 sur 10. Il a vraiment trop de flow. Mon gars, non, franchement, il a tout déchiré ce coup-là. Yo, la F3 Family, franchement, j'ai kiffé faire du shopping. Je me suis trouvé une petite tenue à 5000 balles. Et maintenant, c'est au tour d'année. Hein. Moi, j'ai bien aimé ta tenue, tu vois. Bah, franchement, moi, j'aime pas du tout. Hein. Après, moi, ça va être chaud parce que je suis pas trop styliste. Voilà, comme moi, t'as 2 minutes. Hein. Franchement, en vérité, j'ai pris 2 minutes. Je voulais prendre 10 minutes, mais. Au final j'ai pris une tenue, je l'ai mis et j'ai fait monter. Ma mère, vas-y, suis-moi. J'ai 2 minutes, j'ai trouvé ma veste. Il faut trouver le pantalon. Hein ? Il n'y a pas de pantalon. Super, il n'y a plus de pantalon. T'es où ? Ah, c'était assez perdu. Ah merde alors. Donc moi je vais prendre du S. Je vais prendre ça et ça pour commencer. Ça commence, la connexion commence à se faire petit à petit. Hein. Et maintenant c'est les chaussures avec. Là. Franchement, mettez-moi en commentaire ce qui peut aller avec voilà. Dis quoi? Comment mieux dans cette phrase? Mettez-moi en commentaire ce que vous préférez, si c'est ça ou si c'est ça. Ah, maintenant t'aimes bien celle-là. Au vestiaire. Au vestiaire. J'ai envie de dire non. Tout simplement parce que le haut trop grand pour lui, je trouve. Le bas pas assez serré sur le bas de ses chevilles. Et la chaussure, pas en coordination avec la couleur du bas. Non, ma chérie, je dis non, ma chérie. Donc je vais donner une note de. Je suis gentil, je te donne 3. Yo, franchement, la tenue d'Ali, j'ai trouvé magnifique. Franchement, elle est gracieuse, bien dans la cuve pendant des couleurs. Voilà, moi j'ai kiffé, je lui mets pour ça la note 7. J'ai mis un 6 à Annie, parce que franchement, ton jogging il passe pas du tout, t'as aucun flow, c'est trop moche. Voilà. Mais j'avoue, la veste elle a fait augmenter la moyenne. Bon, on a vu la tenue à Annie, on passe tout de suite à Logan. Je pense que il a plus de style, il peut nous surprendre, restez concentrés. Le sac il est technique hein. Attends, moi aussi je vais faire le futuriste. Là ici il y a pas mal de flow ici. Attends, je crois que j'ai choisi. Tout à l'heure celui-là il me plaît bien. Tu vois, avec le flow. Je te regarde, je t'observe. Eh, vous allez voir le flow. Thank you.
originalité. J'apprécie aussi le concorde. J'ai envie de te mettre un 17. Un 17 sur 10. J'ai envie de te mettre un 17. C'est pour ça qu'on me régale le gars. Franchement, moi j'ai pas cette tenue. Après, on peut rigoler tout ça, mais je me dis, il y a quand même un peu de goût dans tout ça. C'est-à-dire qu'il y a de la colorisation. J'aimerais bien mettre 61 aussi. C'est pour toi, mon gars. Ça, tu le mérites. Et tu passes à la prochaine étape. C'est parti. Il a tout plié là. C'est vraiment ouf le gars. Vraiment, c'est un malade. Regardez, regarde, filme, il est là. Pour le reste, je lui mets un... Bon, allez, 43 ou 34, comme vous voulez. Prochaine émission, on s'assime. Vas-y, viens là, ma gueule. Allez, come on, viens avec moi. Ils ont tous été dans des styles... genre, Andreas, il a été dans Yamamoto. Annie, il a été dans NMD Vida. Logan, il a été. Moi, j'ai fait quelque chose. Regardez bien. Logan, il a fait une tenue de meuf, mais dégueulasse sur lui, tu vois. Est-ce que je peux vous conseiller? Ouais, ouais, c'est mon côté. Soit tu prends le bas qui va avec la veste, soit tu prends le bas qui va avec le t-shirt. Comme ça, tu concordes. La concordance. On est resté dans des couleurs assez sobres, mais tout en restant stylé. Donc, je pense qu'on va partir sur une équipement de la même couleur. Ça, ça mon pote, tu sais ce que je veux dire ou pas? Ça c'est du style. Voilà, franchement, moi aussi, il n'y a pas de problème, je ne vais pas la mettre, hein, tout simplement, voilà, je mets un 1, voilà. Bon, j'avoue que la paire grise là actuellement, putain, grise est vraiment pas mal, il est en train de faire le boulot avec. Mais j'avoue que tu t'es bien accordé avec la veste. Alors franchement, je donne un 9-3. Parce qu'il est du 9-3. Moi, je donne du 9-3. On est ensemble les mecs du 9-3. Moi, c'est la gérée. J'ai trouvé une belle petite tenue que j'ai même pas remarqué. Donc pour ça, c'est cool. Mais après, je trouve qu'au niveau de la coupe, ça lui va pas trop. Je sais pas, il y a un problème au niveau de. Je sais pas. On dirait qu'elle est trop grande pour lui alors que c'est du XS. C'est chelou quand même. Donc rien que pour ça, je lui mets un petit peu moins que Annie. Donc ça fait 6,5. 65, je sais que les autres sont partis en sucette sur les notes, mais vas-y, on va essayer de revenir dans le truc normal. Voilà. Go, c'était la QF3. Non, en vrai, les votes, on a un peu déconné. Donc on voulait choisir qui avait le plus de flow. C'est-à-dire moi. Toi, t'étais en retard. Ouais, j'avais trop de flow. Mais heureusement que j'ai pas fait le concours. Parce que c'est-à-dire que les noirs, quoi, des fois, s'habillent, quoi. C'est-à-dire que la qualité, non, ils ont la chance. Et si tu as kiffé cette vidéo, mon gars, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager, et surtout, abonne-toi.